bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une vidéo tuto comment avoir son pic en étant last pick. On va essayer de. Déjà, on a glissé un petit hello main mid, on a montré qu'on voulait jouer tot. Donc, d'autres petites techniques, c'est qu'on a quelqu'un qui veut jouer support pref. Donc, ça serait plutôt pas mal. On a des pré-made, donc on a déjà la duo lane. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On peut peut-être avoir le rôle. On ne sait pas si on va jouer tot. On stat un petit peu. Alors, quelles sont les techniques pour avoir le pick quand on est last pick? Alors déjà, il faut pas se plaindre d'être last pick. Il faut pas imposer. Et ça serait parfait. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Si Pilou c'est jungle, le Falcon OG il est solo. Et bien ça se passe tout seul. On joue contre une Kali. Ouais, pref mid. Hop. On rebalance un petit peu un pref mid sans trop mettre de pression. Any request? Non. Fenrir. Avec un Fenrir, qu'est-ce qui passe? Une Scylla. Et nous avons un solo. A priori, nous avons le rôle de mid. Voilà. Le tuto est terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais non, on va continuer la vidéo. Ah là là, je vous blague. Aïe, aïe, aïe. J'espère que la vidéo va pas durer 70 minutes comme la vidéo d'hier. La ranquette qui a malheureusement été perdue. Alors, pour revenir sur cette game, je pense qu'on n'a pas suffisamment fait la différence avec notre Janus. On a voulu mettre l'ulti pour essayer de one-shot. Et finalement, on en aurait eu bien besoin de le garder, cet ulti. Donc, New Akali, assez intéressant. Assez intéressant comme choix. On peut partir sur une Isis par exemple pour pouvoir contrôler la petite Kali. On peut partir sur des pics tout à fait autres. On verra. On verra suivant tout ce qui peut se passer dans cette partie. Moi je pense qu'on va partir sur un mage plutôt classique. Je pense Scylla, ça va bien avec Skadi. Il y a mon Poséidon qui est pas mal, mais Poséidon contre Kali c'est un petit peu plus risqué, un petit peu plus dangereux. Après, on peut. L'avantage de jouer Poséidon contre une Kali, c'est qu'elle est obligée de partir sur Purification première relique, sinon elle se fait bouffer. Tu reprends petit à petit Smite Care, j'ai jamais arrêté. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens. Je sais pas ce qu'ils ont, hein. Moi je sors quand même une vidéo. Je quand même une vidéo tous les jours, mais juste j'étais pas là pendant le mois d'août, mais ça j'étais présent pour quasiment aucun jeu quoi. Alors, Ravana, Niwa, Kali. Je suis bien chaud pour ma petite Scylla. Bien chaud pour ma petite Scylla. Ouais. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas mal de partir sur une Isis aussi, parce que ou une Scylla, c'est qu'elle aura peu de probabilité, ou un Poséidon, c'est qu'elle aura peu de probabilité de partir sur Égide en deuxième relique. Ou alors il va jouer Purification Égide et ça sera une Kali largement gérable. S'il fait le choix de jouer Purification Flash, et justement si on joue Scylla et qu'on arrive à la contrôler, elle est morte quoi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon counter en plus qui est pris à Kali et à Niwa, parce que s'il y a quelqu'un... Ah oui, je stream plus. Allez go! Une petite Scadi suisse. Oh, qui est mignon. Ah non, elle a changé. Alors, Bacchus.
Et nous, on va prendre une petite Scylla, c'est assez safe. Bacchus, Ravana, ça commence à faire beaucoup, hein. On a intérêt de partir sur un dieu qui a de l'escape. Parce que typiquement, si on s'amuse à Kraken, derrière, on se fait sauter dessus et on est mort. Donc, alors. Donc on partira sur une petite Scylla. Je pense que Scylla est une bonne solution. Agni serait pas mauvais non plus. Agni serait pas un mauvais choix. Est-ce qu'on fait un petit Agni pour s'amuser? Ou est-ce qu'on joue une petite Scylla avec tous les contrôles qu'on a? Moi j'aime beaucoup Scylla, vous le savez. On la rend diamant. Agni on la rend 6. On est loin du rang diamant, hein. On va partir sur Scylla, je pense. Vulcain rang 9. On n'est pas très loin du diamant, mais Vulcain beaucoup plus technique à jouer, hein, face à Ravana Bacchus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est très très dur. C'est très très dur parce que si on vous force votre Path of Flame et que Ravana est à portée ou Bacchus est à portée, ils doivent normalement vous sauter dessus à ce moment-là. Et là, ça devient direct beaucoup plus compliqué. Alors, c'est pareil avec Scylla, vous allez me dire, si je suis à portée du Ravana, j'utilise ma sentinelle, il jump, Bacchus jump, j'utilise ma purification et là, j'utilise directement mon ulti et je me casse en fait avec la vitesse de déplacement accrue de l'ulti. Elle a toujours une petite solution, Scylla, alors que d'autres n'en auront pas, n'en auraient pas. Voilà. On joue avec Fenrir. Fenrir c'est early, Scylla c'est late. Kepri, Skadi c'est une très très forte duo lane, même malgré le nerf de Skadi. Et ça nous combat, ça reste un perso envisageable. Moi j'aime bien notre compo. J'aime bien notre compo. Alors après il faut réussir à jouer ensemble. Hein. On l'a vu dans la game d'hier par exemple, on n'arrivait pas tellement à jouer ensemble entre le Shaq qui voulait faire le fire, la Jhinwei qui voulait flank, qui mourait toujours en premier. C'était difficile. C'était assez technique comme partie. Les compos, c'est quelque chose de très important, mais il faut savoir les faire marcher. Et c'est pas toujours le cas en solo queue. En tout cas, au niveau maîtrise de personnage, on a deux persos en 2, 3 persos en 10, donc c'est pas mal. Alors, nous allons jouer Soulstone. Et derrière, nous partons sur les bots. Pourquoi Soulstone? Bah, pour pouvoir dépush early et pas avoir trop de soucis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, la Soulstone, ça se fait plus Iker. Si, la Soulstone, ça se fait. J'ai vu un joueur pro faire Soulstone Boomba. Hein. Ça n'a pas changé depuis le début de la saison 4. On peut toujours faire un peu ce qu'on veut. Ça dépend de votre style de jeu. Moi, j'aime bien la Soulstone. J'aime bien les bots. J'aime bien le Boomba dans certains cas. Là, on va dire qu'on improvise un petit peu. Les bots pour être safe. Et la pierre d'âme pour pouvoir faire de bons dégâts. Tout simplement. Tout simplement. Ah, c'est Ravana Jungle. Kali solo. Kali solo. Ravana Jungle. C'est assez étonnant en effet. On va essayer de dépêcher très très vite. Je crois qu'on a mis du POC. Et de toute façon, on l'aura pour. Et on prend notre escape. C'est bien une Kali solo. Essaye de les body block un peu pour que Pilouts ne prenne pas trop de dégâts.
On va pas prendre le crush, le sikem pour le moment. Mais bon, il s'en sort. On va devoir claquer beaucoup de potions là-dessus. C'est dommage que Pilout s'y soit resté plutôt au middle. Il aurait dû venir avec moi. Allez. Essaye de dépush rapidement. Faudrait avoir l'élastique, ça serait mieux quand même hier. Ça c'est mal joué de ma part. Niveau 5 qui arrive. Ah, merci pour le follow. Je sens quand même que mes potions font du bien hein, parce que là, vu comment je joue, j'aurais dû faire un Moomba. Hein. Ça aurait été beaucoup plus worse. Là, le problème, c'est que le Sun Wukong a été mis en difficulté. Résultat, le Sun Wukong. Résultat, le Ravana est là-bas. Résultat, il meurt sur la duo. Ah, c'est con de mourir quand même. Parce que tu savais qu'il était là, quoi. Rotate, please. Ouais, bah, je veux bien, mais. C'est dommage de mourir ici. Parce que oui, rotate please, mais à votre avis, est-ce qu'ici Barracuda serait mort? Non, il aurait été sous tour, il aurait attendu que les sbires arrivent. Il s'est fait engager parce que monsieur n'avait pas envie d'attendre que les sbires aillent sous tour, alors que c'est ce qu'a dit et que ça dépêche très très bien. Là encore une nouvelle fois, oui, il faut rotate, on est d'accord, mais faut pas non plus crever en fait. C'est, faut pas crever et puis dire « Ah mais ils auraient dû rotate, oh, bah, moi je crève hein, parce que je fais exprès hein, !» voilà. Oui, c'est un peu débile. En effet, c'est un peu stupide. Mais bah bien joué. C'était magnifique. Magnifiquement dégueulasse. C'est ce qu'on appelle pourquoi il faut jouer en vocal. Parce que putain, ça c'était bien dégueulasse quand même. Hein. Il y a un 3, normalement il devrait y avoir 2-3. C'est vrai qu'on peut camper un petit peu la Nuwa puisqu'elle n'a pas de... Ravana est sur la tour gauche. Faut aller à gauche. Et ça passe. Deux kills récupérés. C'est bien. Bon, de toute façon, c'est une sentry. C'est sans doute une ward que t'as posée, c'est pas une sentry. Connaissant le level des gens. Pour faire ça.
Je vais mourir. Chier. Ils sont là où vous allez les tuer. Bien joué. 4-4. Ça va, ça va, ça reste. Ça reste totally fine pour le moment cette game. 8 secondes avant ma mort. Est-ce que j'aurai le temps de cumuler 600-750? Pratiquement, donc on va attendre. Pratiquement, donc on va attendre. Mort très con ça. Parce que c'est call. C'est des morts très connes. Je peux pas défendre le speed. Même si j'y étais, ce serait con. Hop. Mais pourquoi ce qu'a dit, tu vas à la rencontre de deux joueurs? Putain, le level des gens, c'était l'eau. Toujours la même, le toujours le même truc hallucinant, quoi. Mais Fenrir qui est Pilouts, tu t'en fous en fait, hein. C'est chiant quand tu ward pour rien. De toute façon, même réaction que la game d'avant. Hein. Tu ward pour rien, c'est chiant quoi. Il y a quelqu'un qui arrive par là. Attention. Moi j'ai arrêté d'XP là depuis un moment. Ça serait bien que je me remette. Je suis ici là quand même. Je suis late game. Il faut que je prenne des levels, c'est important. Pourquoi tu fais la lane qui est pris? Ton mid est pas là. Allez. Allez, faut continuer l'XP tranquille. Bien joué. Mais bon, je suis safe. Après un kill de plus. Ça arrêtera là, ça suffit. Hop. Ah, le tour est... Ouais, non, il n'a pas la mana pour attaquer. Good job. Ce qu'il a dit, meurt pas bêtement. C'est bon. Hop. On a notre livre de Thoth et notre sentry. Bon, ça se passe bien avec Pilouts. On est à 3-1-4. On est juste un peu pas assez présent pour la duo, mais la duo a l'air de tenir, donc ça va, 1-2-2. C'est pas trop grave. Allez, c'est fait gank, ce qu'a dit. On arrive. On va mourir quand même. Un joueur, un kill de plus.
Le reste qui a été mis, bien joué. La grid un petit peu sur le Bacchus. Il y a Kali qui arrive. Très mal à la tour, ça c'est bien. T'inquiète, c'est bon, je suis safe. On arrête de rêver, mon gars. Lance de désolation. Égide. Et une petite sentry. Pourquoi j'achète des sentries? C'est la question. Ils sont tous là-bas. Un peu débiles. Faut attaquer. 10 secondes et j'ai mon ult. J'aurais dû faire confiance à mon seul con, j'aurais gardé ma sentinelle. On va stack nous. Hop. Salut. Mais t'as pas besoin de heal si c'est moi qui te tank. Non, pas toi. On a combien d'argent par rapport à le reste de game? Parce qu'on dépense beaucoup de gold en sentry. Hein. 7800, vous voyez. Bah, on a raison parce qu'on a 1000 gold d'avance sur les adversaires. Donc ça fait quand même 10 sentries. Hein. On n'a pas acheté 10 sentries pour le moment dans la partie. Enfin, un peu moins quand même. 8 sentries. On a dû en acheter 3-4. Allez, go, on y va. De back, il y a quand même une UA en face. Bon, une UA qui préfère farm pour le moment, donc tant mieux pour nous. On va prendre la tour au mid, la UA a sans doute décalé. Vite, 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 on prend la tour au mid, nous, ça rapporte quelques golds. On va y attaquer la gold. Et ça tombe. Bacchus qui s'est un peu fail. Que j'ai mon ulti, c'est pour ça. Que je dis qu'il pourrait attaquer. Boom.
ici. Petite Scylla pas contente, ne jamais énerver Scylla. Ne jamais énerver Scylla. Elle est quand même un peu longue, j'ai pas d'ulti. On peut pas être aidé qu'est pris. It's worse, don't worry, it's worse. De def la left lane, faut pas que j'utilise ma sang. Compliqué. Alors, tout ce qu'on peut faire, on peut rien acheter de plus. Six level 16, on est bien. Bon, la Niwa qui farm, vous voyez que quelqu'un qui farm, elle est quand même à 5-2-4 la Niwa. Lol quoi. J'espère que celle-là va pas finir sur YouTube. Plus facile de répondre sur Smite que sur Paladin aux gens, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un big throw ça. Hein. Regroupe. You shoot back and not walk. Ce qu'a dit. On a ce rôle là de manière assez piloute, trop grillé quoi. C'est classique hein. Quand les gens pensent que la game est gagnée, ils font un. Quand tu vois personne sur les lanes, tu te dis qu'ils sont groupés. C'est ça qu'il faut toujours se dire dans les MOBA en général. Quand tu vois pas, si tu vois pas tes adversaires, c'est qu'ils sont à 5 points ou qu'ils vont l'être bientôt. Donc c'est une Kali Flash, hein, on l'a vu. Donc elle a pas d'égide. Comment s'en douter, sauf qu'elle n'est pas jungle. Ouais, si on peut le faire, il y a une ward, mais je peux burst. Passe. Je
Ça passe. Il se doutait de quelque chose, le Cupid. J'ai failli faire une erreur de pas ulti. Intéressant d'essayer d'ulti à travers le mur après. Putain, elle a changé de trajectoire là, la vilaine. Il arrivera trop tard, hein, Ramana, s'il va y aller. Merde, raté. On va garder, on va pas utiliser notre sentinelle, on va être safe. Faut rappeler qu'on joue quand même contre une Nuwa qui nous retire pratiquement un tiers de nos PV avec un ulti. Hein. Faut faire attention. Alors qu'elle était invisible. On a touché le Sikem, on a touché le High Monster et on a perdu le Fire. Heureusement qu'ils ont beaucoup de morts. Ouais, merci. On sent à peine qu'il est français lui. Et qu'il a bien tapé un... Allez. Hop, salut. Parce que là, le flash sur Scylla, il est quand même un peu volé. Hein. Perdre leur fire, c'est worse. Perdre leur fire, c'est worse. Je vais attaquer la T2. Je pense qu'une phoenix, c'est compliqué sans le fire. Mais bon. Hop. C'était un peu court comme mort. Non, mais enfin. Ça restait un mauvais coup, attaquer un phénix même avec moi, attaquer un phénix ça serait pas passé ou ouais, ça... Oh putain, ce qu'il fait trop mal. Je vous mets la bonne cam. We need to regroup. En train de faire n'importe. We throw too much. Pourquoi t'y retournes? Il a pas besoin de toi, Pilouts. Pourquoi t'y retournes? C'est un Sun Wukong, il a pas besoin de soutien. Allez, Tinoa. Avec le nombre d'erreurs qu'il fait, Pilout, il ferait mieux de se taire. Normalement, un Ravana, ça prend pas, hein, ça prend pas à faillir. T'as pas assez de dégâts. Non mais sérieusement là, les trois là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah
Pourquoi est-ce petit? C'est quoi ces moves là? Non, on va la perdre quoi. Elle est gagnée cette game. C'est juste de la cohésion. Hein. Bouge-toi, va là-bas. Va là-bas, arrête de dépush, va ici. Ils vont se retrouver en 3v4 pendant un long moment là. Ok, retreat. Non, il a pas reculé, il a avancé. Là, j'arrive à contrôler personne. La Skadi à bac, c'est suicidaire de fight encore. Suicidaire de fight avec la personne qui est le plus fit de la partie, elle est à 12-3 quoi. Fight sans le mec qui carry, c'est un peu risqué quoi. D'attaquer la gold plutôt. Donc bon pour aller dans les fights quand il faut pas. Bah allez-y tout seul. Acheter ça pour prendre moins cher de la de l'utinois. Parce qu'ils vont réussir à le prendre, ils ont réussi à le prendre TP. Je peux passer par là. Ego. On sent ce qu'a dit, il faut attendre. C'est bon, ce qu'a dit est là. Oh putain, à 37 PV, on s'était raté quoi. Ils vont tuer la Niwa, bien joué. Allez go. Il est ulti pour rien. Il veut flash avec sa Kali, faut pas que je le mette là. Il va flash dans pas long. Il va flash dans pas longtemps, donc moi je reste derrière. Dommage, ça n'a pas marché, on l'avait pré-shot. On l'avait un peu pré-shot.
Il est pas mort. Tu le sens quand tu te fais focus. Merde. Tu le sens quand tu vas te faire focus. Pas grave. C'est bon. Pouvoir prendre deux phoenix. C'est bon. On va assurer la game, ce serait bien d'attaquer la gold, ouais. Parce que ça leur permettrait de prendre un élixir à 3000, je pense. Puisqu'Adi, normalement, elle a fait extrêmement vite la gold. Allez. Bah, j'ai pris ça pour le Bacchus, pour la Nua, principalement, qui sont peut-être les seuls qui peuvent me toucher, normalement. Hein. La Kali a réussi à me faire quelques dégâts, mais bon. Ça serait une Kali normale, je pense qu'elle me flasherait pas moi, elle flasherait la Skadi. Parce que Skadi est beaucoup plus flashable qu'une Scylla qui a beaucoup d'escape. Et vu que c'est un français, il doit tuer quoi. Ça se comprend, je suis tellement bon. Et tellement beau surtout. Lol. Tu peux me le laisser? Prends le pas. Bah t'as pas pris celui-là? T'as pas pris... Mais qu'est-ce que vous faites à fight sans Skadi et sans Scylla quoi? Vous voyez pourquoi il y a des gens qui font nimbe dans le paladin, mais regardez dans les MOBA quoi. Et les gens ils y vont à 3v5 quoi. Oh putain, ça a failli être un throw quoi. Si je me prends le belly flop, on est mal barré. Hein. Oui. Moi je vais crever s'il y a un outil. Mais crever s'il y a un outil, ouais, donc je me casse. Et Pilutski déco. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. On peut pas faire une pause quand les coéquipiers sont en combat. Bon, on espère que Pilutz se reco, sinon ça va être compliqué de gagner malgré les deux phoenix de Dorn. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, la victoire va peut-être nous échapper. Nous sommes à 44 minutes de record incroyable, 35 minutes de game. La partie est toujours à son comble. On a fait une bonne game, mais est-ce qu'on pourra-t-on la gagner si on arrive à 4v5? On va devoir gérer la fin de partie. Aïe, 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 Pilutz, après avoir fait The Tankiness, The Tanky, ce genre de move qu'il ne faut absolument pas faire en ranked. En normal encore, tu fais ce que tu veux, mais en ranked, c'est pas terrible. Allez, go. Et nous allons devoir finir cette partie en 4 contre 5. La tension est à son comble. Iker va-t-il perdre 2 games d'affilée? C'est parti.
On a mis le Bacchus Law. Est-ce que la Scali ou le Kepri va pouvoir la récupérer? Ça pourrait être pas mal. Ça signerait notre victoire. Scali est très très low. Elle fight face à la Kali. La Scali est très low. Ça tient. On refait tomber le Phoenix du milieu. Le Sun Wukong débarque. On y croit toujours. Lui, la force des tanks quand même. Hein. Les tanks aussi. Hein. Dans Smite, ça tank comme un porc. Ils veulent refaire tomber le Phoenix. Moi, je serais plutôt du genre à refaire le Fire, mais. A priori, on va essayer de faire le Fire. Ah, je sais pas si je peux. Allez, l'élixir a été claqué. Et on reprend une sentry. La catastrophe arriva. On a perdu notre ADC. Qui est prêt à oublier de mettre le reste, surtout ça aide pas. Va-t-il tuer le Ravana? Oui, ah, je le tue pas. C'est bon, il est mort. C'est pas forcément encore gagné. Alors. Bon, c'est dur d'attaquer le fire. Compliqué. Toujours pas gagné donc cette partie. Reste dans ces. Ah, Pilouz qui revient. Eh oui, incroyable. Incroyable, il revient. Peut-être que nous allons gagner cette partie. Ça serait bien. Si tu veux prendre le damage, prends-le. Mais t'as intérêt à carry. Non, on peut finir. Essaye de zoner ses alliés. Quel magnifique throw. Quel burst. On va attaquer le middle. Et terminer cette partie, j'espère. Oui, c'est bien parti.
Il veut pas me raise, hein, il veut raise que son pote. C'est triste. Toujours pas gagné. Il a raison de rester son pote, il a carry. Mais bon, ça suffit pas pour gagner encore. Ils veulent faire du 1v2 là. Je sais pas si c'était une très très bonne idée d'accepter de partir sur un 1v2 là. Ils vont mourir. C'était une bonne idée, hein. Comme vous voyez, les gens aiment bien Sro. Ils aiment bien ne pas gagner, les gens. Il préfère avoir de Lego. Hein, Lego ici, fallait tenter Lego 2v2. Faut s'amuser, hein, c'est important. Non, c'est juste de Lego. Hein, c'est... Ils veulent gagner. C'est juste qu'ils veulent. Ils veulent aussi être là. Waouh, j'ai fait du 1v2 alors que c'était impossible de gagner ici. Parce que Kepri il avait plus le raise et qu'ils ont du burst et qu'ils sont trop tanky. I stay too long, yeah, of course. Yeah. More we wait. More we. Lost. On l'a pas tué, c'est ça qui est le pire. Il va attendre de sauter, il sautera pas. Il faut finir. Je peux pas me montrer. Pourquoi je peux pas sentinelle? Il faut finir, gars. Il est temps. Oh, dommage. On allait faire très mal. GG. Et la game s'est bien passée. La game s'est bien terminée. 54 minutes de jeu. Incroyable. Enfin, 54 minutes de vidéo et 40 minutes de jeu, je pense. 45 maintenant. Et ce fut une victoire pour Canard. On a assez bien joué techniquement. On a surpris. On a mis des bonnes Aim Monster. On a mis des bons Sikem. On a mis des bons Crush. C'était une belle game. C'était pourquoi c'est mon perso préféré. Scylla. GG, well play. Et boum, le coffre des gagnants, le coffre des winners. Et nous avons fait plus 15 tribus. Plus 15 tribus, nous sommes donc à 15 points. Incroyable, mais c'est dégueulasse comment c'est affiché là. C'est dégueulasse comment c'est affiché, je n'y comprends rien. Non, Nuwa fait pas forcément énormément de dégâts avec son ult, elle est qu'à 33 000 de dégâts, je suis qu'à 27 000, hein, et ça suffit. Et ça suffit. On a fait une game plutôt intéressante, la prot était intéressante vu qu'il y a eu un fight avec Bacchus à un moment, et puis il y avait des fights face à Nuwa. On s'en est très 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 bien sorti. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On continue les ranked, on n'a jamais été aussi bien classé, c'est la blague. Non, je déconne, on a déjà été mieux classé, mais... On est plutôt pas mauvais alors qu'on joue quasiment plus au jeu, donc c'est génial. Et puis il y a des gens qui pensent que j'ai arrêté, donc
Donc voilà, vous êtes, on est un team maintenant. Il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde mes vidéos parce que tout le monde pense que j'ai arrêté. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Smite, sans doute demain. Ciao!